ses bébés et tout. Non mais il y en a mais partout. Clairement, au bout de ma vie, bref. Sinon, la Maison Blanche, non mais la blague du siècle. Donc, je suis allée dans cette boîte alors que je déteste les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce que Caro Boobs faisait un show dans cette boîte, donc on est parti la voir. Voilà. Donc alors la blague, donc on arrive, on se fait recal. Tu m'étonnes, regardez comment j'étais sapée. La blague du siècle, j'avais des converses. La meuf va en boîte avec des converses, tout va bien. Donc le mec est venu, le directeur, enfin je sais pas quoi, est venu nous chercher. On est passé devant les vigiles, le vigile me demande ma carte. La blague du siècle. Moi, hashtag au bout de ma vie, je donne ma carte d'identité, genre... J'ai 21 ans, merci d'arrêter de me faire chier. Bref, et putain, j'ai 21 ans quoi. Prise de conscience, une horreur. Bon, bref, on rentre et puis avec Jérém, on est en train de se dire putain, mais c'est quoi ces vigiles quoi. Enfin, c'est, ils nous traitent vraiment comme de la merde. C'était horrible parce que c'était pas juste on se fait recal de. C'était vraiment genre ultra irrespectueux et c'est vraiment genre la chouma quoi devant tout le monde, mais vraiment manque de respect. Et donc un autre vigile nous entend parler et tout, il va prévenir les vigiles de l'entrée en leur disant « Ouais, eux, ils ont mal parlé de vous et tout ça. » Au secours, on se rend à l'école primaire. Et puis, donc, pendant qu'on est dans notre carré VIP, l'angoisse, la honte, les gros beaufs, le vigile de l'entrée vient nous voir, prend Jérém comme ça. Moi, genre, Jérém me fait « Viens, 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 viens », donc je le suis. Et il y avait un autre vigile, et le vigile, il me donnait des coups, genre pour que je me casse et pas que, pour pas que j'accompagne Jérém. Sauf que moi, j'avais trop peur, je me suis dit « Faut... il va lui arriver quelque chose ou quoi que ce soit. » Enfin, moi, je me suis fait un milliard de films. Et au final, le vigile me donne un énorme coup de coude dans les ins. Ça fait extrêmement mal. En mode, genre, non, tu viens pas et tout. Il me dit, mais vas-y, dégage, tu viens pas. Jérém, il a dit, non, mais si, elle vient, là, là, là. Donc, bon, ils ont cédé. Et donc, bref, là, ils ont commencé à engueuler Jérém en mode, tu nous parles pas comme ça. J'étais genre, non, mais à quoi ça sert, en fait, là, d'avoir cette discussion? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui va se passer? Au final, voilà, le mec nous a engueulé, moi j'ai essayé de parler, on m'a dit ferme ta gueule. J'étais genre, bah allez, hop là, c'est de mieux en mieux, merci. J'ai fait de la grosse merde, les sons étaient cool, par contre c'était le seul truc qui était bien. Caro a fait son show et tout, et puis après je me suis cassée, et là je suis chez moi. Et je vais enlever cette tonne de maquillage. Voilà, c'était la meilleure soirée de l'année, merci. Oui, vive la Maison Blanche, plus jamais.